Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal, avec donc une ouverture qui se fait sur les niveaux de la séance de vendredi. Donc on conserve une évolution qui se fait au-dessus des 4980 points, avec toujours un objectif ici de retour sur la zone des 5052 points. Donc pas de gros changements par rapport à la configuration de la semaine dernière. Du point de vue des indicateurs techniques, on a ici des cours qui plafonnent sur le MACD. Là, du point de vue des histogrammes, on passe ici sur une phase de perte de dynamique. Le RSI se rapproche de sa zone de surachat. Donc pas d'informations notables a priori sur les indicateurs. Donc il va falloir surveiller ici que cette bougie reste ici dans le range 4980-5052 points. Je rappelle qu'une rupture ici des 4980 points viendrait invalider donc la poursuite d'un mouvement très court terme sur lequel nous avons ici une succession donc de points bas qui se fait d'une manière croissante, idem ici par les points hauts. Le fait ici de ne pas avoir de points hauts actuellement n'est pas trop gênant en soi tant que l'on ne casse pas ici la zone des 4980 points. Toutefois, au-delà d'ici de cette dynamique très court terme, c'est simplement sur une rupture ici du support qu'il y aurait sortie de la dynamique haussière qui porte donc le CAC 40 depuis le début de l'année. Si on revient ici sur une unité de temps un peu plus intraday, on peut voir ici que justement le support qui fait ce trend converge ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui va là aussi dans le sens d'une poursuite de la dynamique. Par contre, en unité de temps H4, donc un peu plus court terme, on voit bien ici que la rupture de cette zone de moyenne mobile et de cette zone de support sortirait ici le CAC 40 de l'évolution telle qu'elle se fait à l'intérieur du trend. Voilà donc pour cette analyse technique et ce point matinal. Du point de vue macroéconomique, il n'y aura pas énormément de news aujourd'hui. On aura à 10h30 le PMI de la construction qui sortira du côté de la Grande-Bretagne. Pas de statistiques majeures cet après-midi du côté des États-Unis. Alors pour le trading live, il y aura un petit changement puisqu'à partir d'aujourd'hui, le trading live se fera sur la chaîne boursicoté.com. Donc on ne sera plus sur la chaîne Active Trade. Donc je vous propose de me rejoindre à partir de 14h et je vous expliquerai donc les nouvelles modalités de ce trading live. Voilà donc pour ce point, passez de bons trades et on se retrouve donc à 14h. Le lien vous sera donné comme habituellement sur le chat du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.